de Dieu ta priorité. Make of God your priority. Le royaume de Dieu ta priorité. Make of the kingdom of God your priority. La justice de Dieu ta priorité. The justice of God your priority. Quelqu'un lise pour nous Matthieu chapitre 6. Someone is going to read for us Matthew chapter 6. Le verset 33. Verse 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. Pour une bonne compréhension, commence au verset 25. For a better understanding, let us start at verse 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cette parole de Jésus fait partie des grandes proclamations. These words of Jesus are part of the great proclamations qui se trouvent dans le message sur la montagne, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. That can be found in a message that we called the preaching on the mountain, the teaching on the mountain. Elle est une réponse du Seigneur aux soucis et aux inquiétudes de ses enfants. This is an answer to the questions of that people ask, an answer of the Lord Jesus to the question asked by people on about their concerns and their worries. Ces enfants qui sont souvent paralysés par les soucis, par des fardeaux, des inquiétudes. His children who are often paralyzed by the burdens, the worries and the concerns. Parce que les croyants font souvent l'expérience des obstacles incompréhensibles. Because believers often face obstacles that are not understandable. Chaque enfant de Dieu peut rendre témoignage. Each child of God can testify qu'il s'est souvent retrouvé devant des difficultés réelles. That he has often found himself before real difficulties. Certains sont même présentement devant des difficultés réelles. Even some of them are at present time before real difficulties qui suscite en eux des craintes réelles aussi. That raise in them real fears. Ils font face à des besoins réels. They face real needs. Des besoins de nourriture. Need of food. Besoin d'habits. Need of clothes. Besoin de travail. Need of work. Besoin de mariage. Need of marriage. Besoin de guérison. Need of healing. Besoin de délivrance. Need of deliverance. Besoin de restauration. Needs of restoration. Sont des situations réelles. Before real situation.
Personne ne peut dire que ce n'est rien du tout. No one can say that this is nothing at all. Et Jésus and Jesus a parlé de ces choses-là dans le sermon sur la montagne. Spoke about these things in his teaching on the mountain. La réponse que le Seigneur donne, the answer that is given by the Lord, n'est qu'un résumé de la doctrine sur le renversement des principautés. Is just a summary of the teaching about the overthrowing of principalities. On ne court pas vers l'ennemi. We don't run toward the enemy. On s'approche plutôt de Dieu. We rather draw near the Lord. On ne se débrouille pas pour résoudre ses problèmes. We don't try by ourselves to solve our problems. On ne sombre pas dans les inquiétudes. One does not sink in worries. Tu remplis ton imagination de tes propres pensées. You fill your imaginations with your own thoughts. Tu justifies toutes les craintes qui t'envahissent. You justify all the fears that invade you. Tu dis je dois m'inquiéter. Pourquoi ne pas m'inquiéter quand j'ai les problèmes? And you tell yourself, I must get worried. Why shall I not get worried? Je dois pleurer. I must cry. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de pleurer? Why do you want to prevent me from weeping? Alors que moi j'ai des problèmes. Though I have troubles. Jésus dit, Jesus says, cherche premièrement le royaume de Dieu et toute la justice de Dieu. Seek you first the kingdom of God and his righteousness. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. And all these things will be given to you above all. J'ai souvent utilisé ce verset pour les païens. I often used these verses for unbelievers. Je viens de réaliser que c'est un verset pour les vrais enfants de Dieu. I have now realized that it is a verse for the les true vrais children enfants of God, de Dieu. For the true children of God. Les gens qui croient en Dieu. The people who believe in qui God. Qui espèrent en lui. That hope in him. Mais qui ont des problèmes. But who have troubles. La réponse. The answer. Fais de Dieu ta priorité. Make of God your priority. Le royaume de Dieu ta priorité. Make of the kingdom of God your priority. La justice de Dieu ta priorité. The justice of God your priority. Ce que tu penses d'une situation importe très peu. What you think about a situation is not important at all. C'est ce que Dieu dit dans sa justice qui est important. It is what God says in his righteousness that is important. Si un problème entre toi et quelqu'un. If there is a trouble between you, a problem between si you and Dieu someone te dit else. Pardon, if God tells you forgive. C'est ça qui est important pour this toi. Is what is important. Pas ce qu'on t'a fait. Not what has been done to you. Pas ce que tu ressens. Not what you feel. Pas ce que sont les hommes. Not what men are. Ce que Dieu te dit de faire. But what God tells you to do. Il te dit pardon. He says forgive. Il te dit pardon. He says forgive. Si tu pardonnes. If you forgive. Tu t'approches de lui. You draw near him. Et tu auras des exaucements sans même avoir prié pour ça. And you will have some responses even without praying for that. Un jour le Seigneur m'enseignait, il disait. One day the Lord was teaching me and he said. L'âme de l'homme est exaucable. The soul of man can be granted. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'homme, that is when God created man, il a soudé son esprit à l'esprit de l'homme. He united his spirit to the spirit of man. Si bien que quand l'homme se présente devant Dieu, so that when God stands before God, la pensée d'exaucer l'homme monte dans le cœur de Dieu. The thought to grant man goes up. Gets up into the heart of God. Quand tu n'as même pas parlé, even when you have not spoken, c'est-à-dire ta présence devant lui, your presence before him, l'amène à t'exaucer, brings him to grant sans parole, you. C'est-à-dire tes soupirs intérieurs, without word, that is your inner sighs. Dieu les entend. God hears them. Quand ton cœur bat, coucou, when Dieu, your Dieu entend. When your heart is beating, God hears it. Il peut dire, ne crains rien. He can tell you, fear nothing. Bannis la crainte. Ban
fear. Pourquoi? Why? Parce qu'il a vu. Because he saw it. Quand il dit bannir la crainte. When he say ban fear. Quand tu lis bien la Bible, personne ne dira Dieu, Seigneur, j'ai peur, j'ai peur. When you read the Bible, no one went to tell God, oh Lord, I am afraid, I'm afraid. Mais ton petit cœur là, quand ça fait toum, 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 il entend, il entend. But your little heart, when it beats toum, 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 he hears. Il dit bannir la peur. He say bannir la crainte. Ban fear. Et la frayeur. And fright. Car elle n'approchera pas de toi. Because they will not draw near you. Et d'ici l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. He said, if man makes some plots, this will not come from me. Et dit quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. He said that whoever rises against you will fall under your power. Ça arrive. It happens à ceux qui font de Dieu to those leur priorité. Who make of God their priority. Le psalmiste a bien dit cela dans le psaume 37. Viens nous lire le psaume 37. It is written in Psalm. Come and read for us Psalm 37. Lis à partir du verset 4. Read from verse 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Tu lis jusqu'au verset 10. Et read il up agira. To verse 10. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants sont retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Amen. Frère, Dieu n'a pas changé. Brethren, God has not changed. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. He says, delight yourself also in the Lord and he shall give you the desires of your heart. Que le Seigneur soit tout ton bonheur. May the Lord be all your happiness. Que le Seigneur soit toute ta satisfaction. May the Lord be all your satisfaction. Que le Seigneur soit ton trésor. May the Lord be your treasure. En esprit et en vérité. In spirit and in truth. Ce soir et dans cette salle. This day or this night you are in this room. Nous allons nous tenir debout. We are going to stand on our feet. Et tu mets le Seigneur au centre de ton cœur. And you put the Lord at the center, in the center of your heart. S'il y a un objet, if there is an object, qui te procure de la joie, that procures you joy, plutôt que le Seigneur lui-même, rather than the Lord himself, il faut enlever ça. You must remove it. S'il y a une personne. If there is a person qui te donne la joie, la paix, who gives you joy and peace, ce n'est pas bien. It is not normal. Mets le Seigneur au centre. Put the Lord at the center. Les hommes peuvent te décevoir. Man can deceive you. Le Seigneur ne pourra jamais te décevoir. But the Lord will never deceive you. Fais de lui tes délices. Delight in him. S'il y a quelque chose que tu poursuis dans le monde. If there is something that you are running after in the world. Quelque chose que tu poursuis sur la terre. Something that you are pursuing on earth. Déclasse la chose. Ça dit change de rang. Mets cette chose derrière. You have to change the position of that thing. You must put it ahead. Behind. Et mets Jésus devant. And put Jesus ahead. Ceux qui cherchent le mariage vont le trouver sans chercher. Those who are seeking marriage will find it without seeking it. Les gens vont même te forcer. Even people will force you. Okay, il est l'heure, il est temps, that il est temps. Now is the time. Now is the time. Je ne suis pas prêt, on va dire tu es prêt. You will say I'm not ready. They will tell you you are ready. You are ready. Le Seigneur me révèle l'exaucement n'est pas loin. C'est dans des lois simples. The Lord revealed to me that the granting is not far away. It is in the simple laws. Les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel. The children of Israel sinned against the Lord. En adorant les idoles. By worshiping idols. Le Seigneur a appelé les ennemis
à dominer, pour dominer sur eux. The Lord called the enemies to rule over them. Et les ennemis les ont maltraités. And the enemies ill-treated them. Après, les enfants d'Israël crient à l'Éternel. And after the children of Israel cried up to the Lord. Et Dieu a pitié d'eux. And the Lord had mercy on them. Et Dieu envoie quelqu'un détruire les ennemis. And God brings someone to destroy the enemies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What did they do? Ils ont péché. They sinned. Les choses étaient importantes. Things were important for them. Ils sont jugés. They are judged. Ils laissent les choses. They abandon the things. Ils s'attachent à leur Dieu. And they cling to their God. Il devient leur délice. And it becomes their delight. Dieu est réjoui. God is rejoiced. Il est honoré. He is honored. Il se lève. He rises up. Il écrase les ennemis. And he crushes the enemies. Tu as une montagne de problèmes. You have a mountain of troubles. Même quand les médecins essaient même de dire ce dont tu souffres, eux-mêmes s'embrouillent, ne comprennent même pas. Even when the doctors want to tell you what you are suffering from, they themselves they are confused, they don't understand it. Mais tu te rapproches de Dieu. But you draw near God. Et Dieu se lève. And God rises. Il anéantit la montagne. And he brings the mountain Dieu to naught. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Il est le même. He is the same. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Enlève tout, place le Seigneur lui-même. Remove everything and put the Lord himself at the center. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis. Personally, I have a lot of friends. Mais le Seigneur me faisait comprendre que but the Lord made me understand il doit être le premier. He must be the first. Mais le Seigneur au premier rang. Put the Lord at the first en esprit et en vérité. Position. In fais de lui tes délices. Make of him your delight. Qu'il réjouisse ton cœur. Let him rejoice your heart. Dans l'abondance comme dans la disette. Whether you are in abundance or you are in lack. Qu'on ne voit plus une goutte de larmes parce que il te manque quelque chose sur la terre. Let us not see, no more see any drop of tears because there's something that you lack on earth. Le Seigneur te suffit. The Lord is enough for you. Le Seigneur te suffit. The Lord suffices. Si le Seigneur ne te suffit pas, if the Lord is not enough for you, tu te bloques toi-même. You are blocking yourself. C'est lui qui doit se lever. He is the one who must rise up. C'est lui qui doit te délivrer. He is the one who must deliver you. Il dit, recommande-lui ton sort et il agira. He said, commit your situation to him and he will work. Il dit, il fera paraître ta justice. He says that he shall bring forth your righteousness. Il va te délivrer des faux témoignages. He will deliver you from false testimonies. Il va te délivrer des commérages des hommes. He will deliver you from gossiping of men. Des langues mensongères. From tongues that lie. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Il va le faire. He will do it. Même si la justice est corrompue, il va te défendre. Even if the justice is corrupted, he will defend you. On dit qu'il y a la corruption dans le monde et il y a effectivement la corruption. It is said that there is corruption in the world and there is truly corruption. Tu vas trouver le travail là où on achetait le travail. You will find job where people buy. Dieu sera à l'œuvre. God will be at work. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Rest in the Lord and wait patiently for him. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Do not fret because of him who prospers in his ways, because of the man who brings wicked schemes. N'admire pas les païens. Do not admire the ne désire pas être à leur place. Do not desire to be in the place. Ne convoite pas leurs richesses. Do not covet their riches. Ce sont des pourritures aux yeux de Dieu. Ce sont des pourritures. These are rotten things before the eyes of God. Ne désire pas, ne contemple pas, ne désire pas les biens du monde. Do not desire the wealth of the world. N'envie pas quelqu'un qui réussit par le mensonge. Il ment. Tu vois comment il ment. Il devient riche et puis tu envies. Do not envy someone who becomes rich through lies. He lies and becomes rich and you envy him. Ne désire pas la vie d'une prostituée qui prospère dans son iniquité. Do not envy the life
of a prostitute who becomes prosper in her, her iniquity. Qui se prostitue et qui change les habits. Who becomes prostitute and change the clothes. Le matin, une robe, à midi, une autre, le soir, une autre. In the morning, a dress, at midday, a dress, and in the afternoon, another one. Garde ton silence et espère en Dieu. Rest, wait in the Lord. Garder silence veut dire que quoi? What does it mean to keep silent? Ne murmure pas. That is, do not murmur. Ne te plains pas. Do not complain. Espère en Dieu. And wait on Quand the Lord. Quand tu espères en Dieu, tu ne murmures pas. Tu ne te plains pas. When you wait on the Lord, you don't murmur. You don't complain. Ne te fâche pas. Ne t'irrite pas contre quelqu'un qui réussit dans la fausseté. Do not avenge yourself. Do not be irritated against someone who succeeds in falsehood. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. Lève tes mains. Raise your hands. Prions ensemble. Let us pray together. Tu peux t'asseoir. You can be seated. Prends deux minutes pour noter tout ce que tu as noté dans ton cahier. Take 2 minutes to note all that you noted in your copybook. Et si quelqu'un veut prier pendant que les autres marque les idées sur le cahier, il peut se lever. If someone wants to pray while the others are noting their ideas in their copybooks, he can stand up. Oh, je dépose mon cœur à tes pieds. Que le trône de mon cœur t'appartienne entièrement, Seigneur, parce que je suis heureuse en toi. Je suis satisfaite. Oh Seigneur, je suis même étonnée que j'ai eu, Seigneur, oh Dieu, à désirer des choses en premier lieu, au lieu de toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je suis satisfaite. Tu me combles, Seigneur. Oh, je dors comme un bébé. Je me réveille, je remplis des chants, des cantiques, Seigneur. Je me réveille heureuse, Seigneur, sans aucun souci. Heureuse, Seigneur. Et je me surprends même d'être heureuse en toi. Oh, Seigneur, c'est vrai. C'est toi la vraie joie, c'est toi le vrai bonheur, c'est toi le vrai trésor. En vérité, tu es le seul et le vrai trésor. Celui qui t'a, il a tout, Seigneur, il a tout, Seigneur. Que ton nom soit béni, oh, célébré, sanctifié, adoré, loué par tout ce qui vit sur la terre, oh, dans les cieux, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, n'est-il pas vrai que la sagesse de l'homme est la folie devant toi, Seigneur. Père, je viens de me rendre compte ce soir. Ô Éternel, je viens de remplir ma paume, mes pensées, de mes inquiétudes, de mes craintes, de mes frayeurs. Ô Père, je plaide afin que tu pardonnes cette folie que j'ai eue, Seigneur. Père, ce soir, je dépose ces frayeurs devant de toi. Je dépose ces soucis, ô Dieu, à tes pieds. Seigneur, pour m'approcher de toi, parce que Père, tu satisfais pleinement. Tu satisfais, Seigneur. Tu satisfais pleinement. Seigneur, tu satisfais. Approche de toi pour être comblé. Merci, Père. Je plaide, oh Dieu, en faveur de chaque frère qui a rempli, Seigneur, sa tête, qui a rempli ses pensées, qui a rempli son cœur de craintes. Oh Dieu, que ce soit, tout cela, Seigneur, soit déposé à tes pieds pour que nous avançons, Seigneur. Seigneur, dans la victoire, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Verset 9. Car les méchants seront retranchés.
Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Verse 9, for evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Et concernant tes ennemis, and as far as your enemies are concerned, encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était et il a disparu. And he says, for yet a little while and the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. Dieu délivre. God delivers. Dieu bénit. God blesses. Dieu sauve. God saves. Dieu protège. God protects. Le diable a dit à Dieu que toi tu protèges Job. The devil told God that you protect Job. Tu le protèges. You protect him. Tu protèges ses biens. You protect his wealth. Quand l'ennemi témoigne, when the enemy testifies, il faut prendre ce témoignage au sérieux. You must take this testimony seriously. Et c'est ce qui est vrai pour chacun de nous. And this is it is true for each of us. Si nous faisons du Seigneur nos délices, if we delight ourselves in the Lord, les montagnes vont se déplacer. Mountains will be removed. Il dit, recherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. He says, seek the kingdom of God and his righteousness. Cette chose que tu recherches, these things that you are seeking, te sera donné comme un cadeau. Will be given to you as a gift. Mais si tu investis, si tu t'investis toi-même pour l'obtenir, but if you invest yourself to obtain these things, elle va s'éloigner de toi. These things will get far away from you. They will depart from you. Il dit, on dit l'ennemi. Si tu fais de l'Éternel tes délices. We say the enemy. But if you delight yourself in the Lord, regarde bien là où l'ennemi se trouve. Look well where the enemy is. Tu ne le verras plus. You will no more see him. C'est compté. It is counted. Dès que tu entreprends, as soon as you decide, de t'approcher de Dieu, to draw near the Lord, de faire de lui la priorité, to make of him your priority, de faire de lui tes délices, to delight in him, l'ennemi peut déjà compter. The enemy can start counting sa ruine, his ruin. C'est une affaire de minutes. It's a question of minutes. Si nous croyons à cette doctrine, if we believe this teaching, elle va s'accomplir dans nos vies. It will be fulfilled in our life. Si nous pensons que ce verset pour les païens, if we think that this verse is for the unbelievers, comme je l'utilisais pour évangéliser, as I used to use it to evangelize, nous allons perdre. We will lose. Chercher le royaume, c'est quoi? C'est chercher l'entrée dans le royaume. Seeking the kingdom, what does it mean? It is to seek, to enter into the kingdom. Remplir les conditions pour vivre avec le Seigneur dans l'éternité. It is to fill the conditions to live with the Lord forever. C'est se séparer des œuvres de la chair pour entrer dans le royaume des cieux. It is to depart from the works of the flesh to get into the kingdom of God. C'est fuir la méchanceté. To flee wickedness. Fuir l'hypocrisie, fuir la ruse. It is to flee hypocrisy and cunning. Si Dieu t'a délivré d'un péché, if God has delivered you from a sin, supposons que Dieu t'a délivré de la masturbation. Let's suppose that the Lord has delivered you from masturbation. Ne tombe plus dedans. No more fall in it. Si Dieu t'a délivré de la prostitution, if God has delivered you from prostitution, si tu vois une prostituée, if you see a prostitute, ne l'envie pas. Do not envy him, her, sorry. Prie pour elle.
Pray for her. Pray for her. Ou bien prie pour lui. Or pray for him. Si quelqu'un triche et devient riche, if someone cheats and become rich, ne l'envie point et ne t'irrite pas. Do not envy him and do not get upset. Dieu sera avec toi. God will be with you. Dans un, lis pour nous 1 Corinthiens 6 verset 9. Read for us 1 Corinthians 6 verse 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Rechercher le royaume des cieux veut dire travailler pour que ces choses-ci ne soient pas dans nos vies. Seeking the kingdom of God simply means to work so that this thing will no more be found in our lives. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ne vous y trompez pas. Do not be deceived. Ni les impudiques, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, nor idolaters, ni les adultères, nor adulterers, ni les efféminés, nor homosexuals, ni les infâmes, nor sodomites, ni les voleurs, nor thieves, ni les cupides, nor covetous, ni les ivrognes, nor drunkards, ni les outrageux, nor revilers, ni les ravisseurs, nor extortioners, hériteront le royaume de Dieu. Will inherit the kingdom of God. Rechercher le royaume de Dieu, seeking the kingdom of God, c'est se séparer radicalement de ces choses. It is to radically part from these things. C'est travailler pour que d'autres personnes entrent dans cette vie-là. It is also to work so that other people get into that life. Écoutons. Listen. Il y a des choses que Dieu va te donner sans prière. There are things that God will give you without any prayer. But il fait même ça aux païens. He even does it to the unbelievers. Les païens, the pagans, cultivent la terre. They grow cultivate the earth. Dieu fait tomber la pluie. God causes the rain to fall, et ils récoltent, ils mangent, and they reap, they harvest it, et même, harvest it and eat. Et même ils blasphèment. And after that, they blaspheme. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Dieu n'est pas limité. God is not limited. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La prière n'est pas une punition que Dieu a donné à l'homme que si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Prayer is not a punishment that God has given to man that if you don't pray, you don't eat. Dieu donne à manger aux païens qui ne prient même pas. God even gives food to the pagans who don't even pray. La prière est une arme que Dieu nous a donnée pour travailler pour le royaume à venir. Prayer is a weapon that God gave us to work for the kingdom to come.
Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est une bataille pour imposer le royaume de Dieu sur la terre. When you say, may your name be sanctified, hallowed be thy name, and may your reign come, this is a battle to impose the reign of God on the earth. Quand tu chasses un démon, when you cast out a demon, tu imposes le règne de Jésus-Christ. You impose the reign of Jesus. Donc, la prière n'est pas un châtiment. So prayer is not a punishment. N'enseigne pas sur la prière comme si tu ne pries pas, tu vas mourir. Do not teach on prayer as if you don't pray, you die. Dieu nous a déjà donné la vie. God has already given life to us. Et nous devons travailler pour que le monde soit sauvé. And we must work for the world to be saved. Nous devons travailler pour que s'il y a un démon sur le chemin, on le chasse, on l'anéantit. We must work in such a way that if a demon stands on our way, he can be crushed. Ne donnons pas l'impression que notre Dieu est tellement dur. Vous savez, les gens dans les cours de philosophie, certaines personnes pensent que le travail est une grande punition que Dieu a donnée à l'homme. In some teaching of philosophy, some people think that work is a great punishment that God has given to man. Pourtant, le travail est la première institution divine. Il n'y avait même pas encore de péché. Yet, work is the first divine institution. There was not even sin. Quand Dieu a dit, gardez le jardin et cultivez-le. When God said, keep the garden and cultivate it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La deuxième institution, c'est le mariage. The second institution is marriage. Il a dit, soyez féconds, multipliez. He said, be fruitful and multiply. Il y a des gens qui enseignent les faussetés, que le fruit défendu, c'était la sexualité. Some l'homme people, a été béni avant la chute. Some dit, people are, multipliez, soyez féconds, remplissez la terre. Some people are teaching falsehood. They say that the defended fruit is sexuality. No, this is not it. God said, be fruitful, multiply and fill the earth. Écoutez bien ce que je dis là. Listen carefully what I'm saying. Le Seigneur me dit, sanctifie mon nom. The Lord says, sanctify my name. Sanctifie mon nom. Sanctify my name. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Dieu a fait de nous ses co-ouvriers. God has made of us his co-workers. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tout ce que nous faisons, all that we do, nous devons faire ça pour le règne de Dieu. We must do it for the reign of God. Dans nos vies, in our lives, dans le monde, and in the world. L'exaucement, écoutez ça très bien. The granting, listen carefully. Le secours pour nos besoins. The help for our needs. Ne dépend pas nécessairement de la prière. Does not necessarily depend on prayer. Ça dépend de la sanctification de ta vie. It depends. Que tu présentes à Dieu comme une offrande. It depends on the sanctification of your life that you present God as an offering. Quand on dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. When they say, delight yourself in the Lord and he shall give you what your heart desires. Si tu laisses ça, if you abandon this, tu pries beaucoup and pray a lot, tu seras frustré. You will be frustrated parce que tu n'auras rien. Because you have nothing. Va étudier la Bible. Go and study the Bible. Jacques dit. James says, vous demandez, you ask, vous ne recevez pas, and you don't receive, vous demandez mal. Because you don't ask rightly. La prière n'est pas quelque chose qu'on force la main de Dieu avec. Dès que tu dis, donne-moi, Dieu dit, ah mon enfant, je vais te donner ça maintenant. Non. Prayer is not something that you force the hand of God with. That is, you say, God, give me, oh Lord, give me. And then after he said, oh my child, I'll give you now. Si une jeune fille reste calme, if a young girl remain calm, accomplit la volonté de Dieu, and fulfill the will of God, en servant joyeusement Dieu, by serving God joyfully,
Même si elle ne dit pas, Seigneur, donne-moi un mari, Dieu va lui donner le mari. Even if she does not say, God, give me a husband, God will give her. L'âme est exaucable. The soul of man can be granted. Si tu es assis comme tu es assis là. If you are sitting as you are sitting. Si tu disposes tout ton être. If you dispose all your being. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Que Dieu voit. And God comment sees ton cœur a changé. How your heart has changed. Il libère des bénédictions que tu n'as jamais demandées. He will release blessings that you have never asked. Beaucoup peuvent rendre témoignage que cela leur est arrivé plusieurs fois. Many can testify that this has happened to them many times. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu ne cherches pas le royaume des cieux. When you don't seek the kingdom of God. Et que tu es préoccupé par ton sort. And you are concerned by your situation. Jésus dit. God, Jesus même says. Même une coudée. Even a cubit ne peut s'ajouter à ta vie. Cannot be added to your life. Personne ne pourra dire j'étais tellement inquiète que vraiment Dieu a eu pitié de moi. No one will be able to say that I was so worried that God had pity on me. C'est la même doctrine. It is the same teaching. Dieu est bon. God is good. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. He causes the rain to fall on the wicked one and also on the righteous ones. Mais ce qu'il nous demande en tant que son peuple. But what he requires us as his people. C'est qu'il veut être premier. Is that he wants to be top, the first. Ça résout beaucoup de problèmes. This solves a lot of problems. Si tu méprises cet appel. If you despise this call. Et que tu fais le bruit. And that you make noise. Tu seras frustré. You will be frustrated. Et tu ne pourras pas expliquer pourquoi tu n'es pas exaucé. And you will not even be able to explain why you are not granted. Et comme nous avons vu la semaine passée, il est même bon de faire comme Isaïe. As we saw last week, it is even good to do like Isaiah. Isaiah dit à Dieu. Isaiah told God. Même quand nous sommes notre justice là, quand nous sommes purs. Even when we say that we are clean. Nous sommes à tes yeux comme un vêtement souillé. In your eyes, we are just like a filthy rags. Cette parole est profonde. This word is deep. Ça veut dire que nous devons tout faire pour être purs même à notre niveau humain. It means that we must do all we can to be clean at our human level. Imagine que quand tu es pur au niveau humain, tu es comme un vêtement souillé. Maintenant, si tu n'es pas pur, tu ressembles à quoi? Imagine that even when you are pure, as you are clean, you are in before God, you are just like a filthy rag. And if you are not clean at the human level, what will you be? Et c'est là où l'œuvre de Jésus-Christ intervient. And this is where the work of Jesus intervenes. Le travail qu'il a accompli par son sang pour faire de nous des sacrificateurs. The work that he accomplished by his blood to make of us priests. Lis pour nous Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Read for us Hebrews chapter 10, reading from verse 19 to 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us through the veil, that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed
with pure water. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Le Seigneur Jésus a frayé le chemin. The Lord Jesus has paved the way. Il a versé son sang. And he shed his blood. Nous pouvons librement entrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. We can freely enter the presence of God. Jésus a inauguré une route vivante. Jesus has inaugurated une route nouvelle et vivante. A new road and a new living road. Qu'est-ce que nous devons faire? What must we do? Un, two, one. Approchons-nous avec un cœur sincère. Let us draw near with a true heart. Un cœur sincère, un cœur sincère. A sincere heart. C'est-à-dire sans hypocrisie. That is without hypocrisy. Sans ruse. Without cunning. Sans astuce. Without cunning. Le psalmiste disait. The psalmist si said, tu me visites la nuit. If you pay visit to me the night. Si tu me sondes. If you search me. Ma parole n'est autre. My word. Que ce qui sort de mon cœur. My word is not other thing than what stems from my heart. Deuxième chose. Second thing. Avoir la foi en Jésus. Having faith in Jesus. Et avoir la foi à son œuvre. And having faith in his work. Troisième chose. Third thing. Avoir le cœur purifié. Having a cleansed heart. Purifié de la condamnation, de la mauvaise conscience, de la culpabilité. Cleansed from guilty, from evil conscience. And from condemnation. Fais tout. Do all. Pour que ta conscience soit toujours pure. For your conscience to always be cleansed. Quatrième chose. Fourth thing. Le corps purifié d'une eau pure. The body purified with a pure water. Ça parle de quoi? De l'eau. L'obéissance à la parole qui produit la sanctification, la purification. It is about the word of obedience that produces purification. La parole lave. The word washes. Le Saint-Esprit lave, il purifie, il sanctifie. The Holy Spirit washes and sanctifies. Trois choses qu'il faut faire. Three things that you must do. Pour exploiter cette route qui a été inaugurée. For you to take that way that has been inaugurated. La Bible dit. The Bible says. Si nous faisons ceci. If we do this. Nous allons trouver grâce devant Dieu. We will find favor in the eyes of God. Et il va venir au secours pour pourvoir à nos besoins. And he will help us in order to provide our needs. Si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. If we find grace in the eyes of God. À travers cette démarche. Through this way of doing. Que tu te places devant Dieu. That you stand before God. Comme une offrande. As an offering. Ça touche le cœur de Dieu. It moves the heart of God. Dieu te bénit. God blesses you. Je veux que les frères retiennent ça ce soir. I want the brethren to bear this in mind. Il y a des choses tonight. Que Dieu donne. Si tu rates, there are things that God gives if you fail. Le Seigneur dit ceci. Beaucoup de frères veulent qu'on combatte ici là fort, c'est vrai, mais attention, Dieu dit que quand il est nos délices, il combat pour nous. Many brethren want us to fight here. With strength, but pay attention. The Lord says that if we make of him, if we delight ourselves in him, he will fight for us. Je ne sais pas comment vous dire ça sans donner l'impression que je vous demande de ne plus prier. I don't know how to tell you this, how to explain this to you without giving you the impression that I'm asking you not to pray anymore. Mais le Saint-Esprit te parle. But the Holy Spirit speaks to you. Pour que tu comprennes ce que je dis. For you to understand what I'm saying. Si tu étudies ta vie. If you study your life. Tu verras la vérité. If you analyze your life, you will see the truth. Va. Go. Tu mens. And lie. Tu voles. And
steal, tu bois and drink, et tu vas intercéder. And go and intercede. Et tu nous amènes le résultat. And bring us the result. Garde rancune. And bear grudge. Pratique la division. And practice division. Méprise tes frères. Despise your brethren. Et va prier. And go and pray. Va jeûner. Go and fast. Et amène-nous le résultat. And bring us the result. Laisse le monde. Abandon the world. Fais de l'Éternel tes délices. Delight yourself in the Lord. Aime tes frères. Love your brethren. Tu verras le résultat. You will see the result. Lis pour nous 1 Jean chapitre 3. Parlons, on va finir. Read for us 1 John chapter 3. Je suis en train de dire qu'il y a une vie quand on la refuse, la prière c'est zéro. I'm just telling you that there is a life that if you refuse it, prayer is none. La prière n'est pas quelque chose que même si Dieu est fâché, dès que tu commences à prier, il te laisse, non. Prayer is not something that even if you are upset and that you start praying. Avant la prière, on revient d'abord à Dieu. Before prayer, we first come draw near God. Vous voyez, il dit, Jésus a inauguré une route nouvelle et vivante. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Approchons-nous de Dieu. Deux, avec des cœurs sincères, avec la foi, avec un corps purifié, le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Vous voyez, 4 choses. On n'a pas encore dit avec le jeûne et la prière. Mais on te donne une position qui te rapproche de Dieu. C'est à partir de cette position-là qu'on prêche, qu'on prie, qu'on enseigne, qu'on sert Dieu. We are teaching you a position that brings you to draw, to get closer to God. It is from that position that you preach and that you pray. Il y a une vie telle que si tu la méprises, Dieu te rejette avec toutes tes offrandes. There is a life that if you despise, you reject, God also will reject you with all your offerings. Il a dit, je hais vos solennités. He said that I hate your solemnities. Et vos nouvelles lunes. And your new moons. Les fêtes que lui-même avait instituées, quand il y a le désordre dans le pays, il ne le veut pas. Il dit, je ne veux pas, ne me servez pas, ne chantez pas, ne priez pas. Laissez-moi tranquille. Even the celebration that he instituted himself, when there is disorder among the people and then they start doing this celebration, he said, I don't want this. Don't celebrate me. Il dit, je ne peux pas supporter les solennités avec le péché. He said, I cannot bear solemnity with sin. Vas-y, 1 Jean chapitre 3, verset 20. 1 John chapter 3, à 24. Verse 20 to 24. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Bien-aimés, beloved, si notre cœur ne nous condamne pas, if our heart does not condemn us, nous avons de l'assurance devant Dieu. We have confidence toward God. Si ton cœur te condamne, if your heart condemns you, tu n'as pas l'assurance devant Dieu. You have no confidence toward God. Si tu lui demandes quelque chose, if you ask him something, tu n'auras rien. You will not have it. Mais si ton cœur ne te condamne pas, but if your heart does not condemn you, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments
and do those things that are pleasing in his sight. Et quel est son commandement? And what is his commandment? Que nous croyons au nom de son fils. That we believe in the name of his son. Et que nous nous aimions les uns les autres. And that we love one another. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus. If you don't believe in the Lord Jesus. Ici là, c'est pas croire comme on prêche aux païens. Croire qui veut dire tu crois à son œuvre, tu crois à ses paroles. Here it is not believing as we preach to the pagans, but here it is believing as you believe in his work and in his words. Tu crois qu'il est Dieu qui est devenu homme. You believe that he is homme. God who made himself man pour notre salut. For our salvation. Vous voyez l'évangile, tu montes dans Genèse, tu retournes à Apocalypse, c'est la même doctrine. You see the gospel, when you go to Genesis and come up to Revelation, it's the same teaching. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu est Dieu en lui. He who keeps this commandment abide in the Lord and Lord the Lord in him. Que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. And that we believe in the Lord Jesus and love one another. Selon le commandement qu'il nous a donné. According to the commandment he gave us. Pendant cette période. During this period. Réconcilions-nous les uns avec les autres. Let us sans get discuter même. Let us get reconciled. The ones toward the others without any discussions. C'est toujours le combat spirituel. It is still the spiritual warfare. Et c'est même le warfare. Vrai combat spirituel. And it is even the true spiritual warfare. Frère, si ton frère, brethren, if your brother a été blessé par toi, has been wounded by you, va le guérir. Go and heal him. Avant de continuer la bataille. Before you continue the warfare. Ne pense pas que Dieu t'aime plus que ton frère. Do not believe that God loves you better than your brother or the brother better than you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ne sois pas orgueilleux. Do not be proud. Ne pense pas que toi tu as que quand tu regardes ton frère, tu dis que Dieu m'aime plus que celui-ci. Do not think that when you look at yourself, you Dieu think that Dieu God plus qu'il n'aime celui-ci. Loves me better than he loves this one. Mets de l'ordre. Set orders. Mets la paix. And set peace. Mets l'humilité. Set humbleness. Regarde les autres comme étant supérieurs. Look the others as being superior. Tu verras ce qui va se passer. You see what will happen. Dieu va marcher pour toi. God will walk for you. Il, avant même le péché, il a donné le jardin d'Eden à Adam. Il a cultivé tout, il y avait tout dedans, il lui a donné. And even before sin, he got the Eden Park ready. He put everything in it and gave it to Adam. Il y a des gens qui disent j'aime les oranges, j'aime les mangues, les mangues. Tu as créé ça où? C'est Dieu qui a mis ça dans le monde pour nous. Et lui, Dieu ne mange pas les mangues. Some people say that Lord, I love mangoes, I love oranges. Where did you create this? It is God who created it for us and put it in the world. He himself does not eat all these things. C'est pour nous. It is for us. Il n'a pas changé. He has not changed. Il y a des choses qu'il va créer pour toi. There are things that he will create for you. Il y a des choses qu'il va faire pour ton bonheur. There are things that he will do for your happiness. Si ton cœur ne te condamne pas. If your heart does not condemn you. Tout ce que tu vas demander. All that you will ask. Il va te donner. He will give you. Beaucoup de frères disent. Many brethren say. Je ne veux pas m'engager. I don't want to get committed. Je risque de mentir.
I may lie. C'est une manière de dire je ne veux pas me consacrer. It is a way to say that I don't want to consecrate myself. Effectivement, il y a une position dans la foi. Si tu l'acceptes, les fardeaux de Dieu vont tomber sur toi. And truly, there is a position in faith. If you accept it, the burdens of God will fall upon you. Tout ce qui fuit de tels fardeaux ne sont pas consacrés. S'ils prient, Dieu ne va pas exaucer. All those who are fleeing away from these burdens are not consecrated. If they pray, God will not grant them. Quand David célèbre sa délivrance, il dit l'Éternel l'a délivré à cause de sa justice, parce qu'il s'est consacré à la justice de Dieu. When David talks about his deliverance, he said that the Lord delivered him because he consecrated himself to the justice of God. Annoncer la nouvelle. And give the news. Dites aux frères que c'est une période de paix, de réconciliation. Tell the brethren that it is a moment of peace and reconciliation. Si tu voulais quitter ton faisant de disciples. If you planned to depart, to leave your disciple maker. Faut annuler ça. You must cancel this. On ne quitte pas le faisant de disciples dans les querelles. We don't leave the disciple maker in quarrels. Ça doit être une promotion. It must be a promotion. Ton faisant de disciples peut te prendre et donner à un autre qui est plus élevé que lui. Your disciple maker can take you and give you to another one who is higher than him. Et il devrait le faire s'il est juste, s'il n'est pas égoïste. And he must do it if he is righteous and if he is not. Mais s'il y a une querelle, if he's not selfish, but if there is a quarrel, et vous vous séparez, and you get separated, ça, c'est inique, ce n'est pas bien. This is not good. It's not good. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu va te demander qu'est-ce qui vous a dépassé. God will ask you what was above you. Pourquoi n'avez-vous pas pu vous réconcilier? Why did you not get reconciled? Est-ce que tu n'as pas lu 1 Jean chapitre 3 verset 20 à 24? Did not you read 1 John chapter 3 from verse 20 to 24? Donc tenons-nous debout. So let us stand on our feet. Dis Seigneur. Say Lord. J'ai compris. I have understood. Je dois m'approcher de toi. I must draw near you. La prière ne m'a pas été donnée pour forcer ta main. Prayer was not given to me to force your hand. Dis, tu m'as donné la prière pour la conquête du monde. Say, you gave me prayer for the winning of the world. J'ai voulu aimer la prière sans toi. I wanted to love prayer without you. J'ai voulu aimer le jeûne sans toi. I wanted to love fasting without you. Aujourd'hui, today, je reviens à toi-même. I come back to you now. Je fais de toi mes délices. I delight myself in you. Je te confie mon sort. I entrust you with my situation. Et ta parole me promet que tu agiras. And your word promises me that you will act. Et tu me dis. And you tell me. Que je regarderai le méchant, le lieu où il était. That I will look at the wicked one at the place he was, where he was. Et je ne le verrai plus. And I shall see him no more. Tu m'enseignes. You teach me. Que je dois faire de toi mes délices. That I must delight in you. Que je dois rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. That I must firstly seek the kingdom and the righteousness of God. Dis Seigneur. Say Lord. Je comprends aujourd'hui que cette parole me concerne personnellement. I now understand that this word concerns me personally. Dis comme le pasteur a rendu témoignage. Say, as the pastor testified,
Il pensait que ce verset était pour les païens. He thought that this verse is for the pagans. Seigneur, cette parole est pour moi. Lord, this word is mine. C'est pour nous, tes vrais enfants. It is for us, the true children of God. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. The kingdom of heaven, the kingdom of heaven. La justice de Dieu, la justice de Dieu. The righteousness of God, the righteousness of God. Et mes besoins. And my needs. Seront pourvus par ta bonté. Will be provided by your goodness. Tu n'es pas méchant. You are not wicked. Tu fais pleuvoir sur les méchants et sur les justes. You cause the rain to fall on the wicked one and also the righteous ones. Pardonne-moi l'image pauvre que j'avais de toi. Forgive me for this poor image that I had about you. Comme si tu me forçais de prier avant que tu ne me bénisses. As if you were forcing me to pray before you bless me. Je comprends aujourd'hui. I understand today that even there are things that we don't ask, but you give. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Maintenant, prie en langue pour toi. Now pray in tongue for yourself. Zende yatan taya basunde kalabazindai. Oh, ridal basana e bakasamai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, thank you, Lord. Merci, thank you, Lord. Tu rentres en prière. You get back home in prayer. Laisse ton esprit en prière. Let your spirit be in prayer. Frère, si Reverend, tu as le discernement. If you have discernment, Dieu veut opérer une grande œuvre parmi nous. God wants to work a great work in our midst. Et dans nos vies. And in our life. Père, protège cette parole en nous. Father, protect this word in us. Père, ramène chacun sain et sauf à la maison. Father, take each one safe and sound home. Père, donne la révélation de cette parole. Lord, give the revelation of this word. Qu'elle transforme. Let it transform. Qu'elle remplisse de vie. Let it fill lives. Parle dans l'esprit. Speak in the spirit. Ouvre les yeux du cœur. Open the eyes of the heart. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.